Salut à tous, c'est Romain de Frandroid. Alors on se trouve aujourd'hui pour un test un petit peu particulier. Comme vous pouvez le voir, un test à 360 degrés. Donc si vous ne m'avez pas déjà trouvé, vous pouvez essayer de me retrouver avec le pointeur de votre souris ou avec votre doigt sur votre smartphone, ou même en tournant votre téléphone dans l'espace. Alors 360 degrés parce qu'on teste aujourd'hui la nouvelle Samsung Gear 360 de 2017, donc qui a été présentée conjointement au Galaxy S8 à New York ce printemps. Elle succède à la Gear 360 tout court, première génération, qui elle avait été présentée conjointement au Galaxy S7. Cette caméra, c'est donc une évolution du précédent modèle. Alors, il y a des choses qui changent et qui ne changent pas. On va commencer par ce qui change. Là, vous pouvez pas le voir parce que je suis en train de filmer avec, mais j'en ai une autre ici. Et ce qui saute aux yeux à première vue, c'est sa taille. Elle est beaucoup plus petite. Elle rentre désormais dans une poche de pantalon sans problème. L'autre chose qui change, c'est qu'elle est moins chère et que par conséquent, elle est plus simple. Sur le premier modèle, en fait, on avait un trépied en plastique ici. Désormais, il n'y a plus de trépied en plastique. La caméra, en fait, en plus d'être une sphère, intègre une poignée, donc on peut la tenir directement comme ça. Et ce qui accompagne aussi cette baisse de prix, c'est du coup une baisse de définition des capteurs. Comme on peut le voir ici, il y a vraiment deux capteurs et deux lentilles pour former une sphère complète. Et chacun de ces capteurs passe de 15 à 8 millions de pixels. Mais on va voir que ça ne change finalement pas grand-chose. Ce qui ne change pas en effet, c'est la définition en sortie des fichiers. En photo sphérique, on est toujours en 15 millions de pixels. Et en vidéo, comme ici, on est toujours en 4K. Donc cette vidéo a été filmée en 4K. Mais vous le voyez de votre côté, comme vous ne regardez pas le tour complet à un instant T, vous ne regardez qu'une partie, environ 90 degrés. Ce que vous voyez en réalité, c'est inférieur à de la HD, c'est environ 1280 pixels de large. L'autre chose qui ne change pas, c'est qu'elle est toujours en partie étanche. En réalité, elle est certifiée IP53, ce qui veut dire qu'elle résiste assez bien à la poussière, et qu'elle n'est pas étanche, elle ne va pas sous l'eau, mais en revanche, elle peut supporter la pluie. Une autre chose importante qui ne change pas, et là c'est une grosse déception, c'est que cette caméra, on peut l'utiliser sans un téléphone Samsung, mais dans ce cas-là, on aura juste des fichiers sur la carte micro SD, qui est dedans. Si on veut pouvoir utiliser l'application Gear 360, qui permet de cadrer, de revoir ces images avec différents modes d'affichage, plus ou moins sphériques, de tirer des captures d'écran, etc. Là, il faut avoir un smartphone Samsung assez haut de gamme. Il faut avoir soit un Galaxy de la série S à partir du S6. Il faut sinon avoir un Galaxy Note 5 ou en milieu de gamme, un Galaxy A5 de 2017. Alors une Gear 360 2017 ou plus généralement une caméra sphérique, à quoi ça sert? Eh bien en fait, il faut voir ça comme une étape après les action cams telles que les GoPro. Ça permet de faire des images très très immersives parce qu'on a une sphère complète. Et comme vous pouvez le voir sur les images que j'ai tournées pendant mes premiers jours avec cette caméra, ça permet de faire des photos de groupe très très rigolotes. Donc on se met vraiment au milieu d'une table ou d'un groupe d'amis. Ça permet aussi de faire des images assez sympas. Quand on est par exemple sur un point de vue en haut d'un parc à Paris par exemple. Et plus généralement, ça permet de faire des vidéos assez immersives où en fait on laisse le choix au spectateur de revoir ce qu'il a envie de voir. Ça peut se faire donc sur, comme je disais au début, sur un ordinateur avec le pointeur, sur son mobile avec le doigt ou en déplaçant son mobile, ou même avec un casque de réalité virtuelle comme le Samsung Gear VR. On va passer maintenant au vif du sujet. On va l'emmener avec nous et puis on va voir un petit peu comment elle se comporte. Alors une première chose importante, c'est comme on l'a dit, il y a deux capteurs, deux lentilles, et que donc en fait l'appareil fait une jonction entre les deux côtés. Et alors cette jonction, elle est quasiment invisible quand on a passé 40 cm. Et puis on le voit aussi, la caméra le corrige un petit peu toute seule. En revanche, dès qu'on s'approche, on voit la jonction. Donc par exemple, quand on la tient dans la main. Ma main elle va apparaître un petit peu bizarrement. Il y avait un souci avec la Gear de première génération qu'on va voir et on va vous laisser juger de comment ça s'est comporté. Pour ça, on va sortir. Hop. Donc là, déjà, vous pouvez, on est dans un hall d'immeuble beaucoup plus sombre. Donc je vous laisse juger un petit peu du bruit que ça peut faire, le grain que ça peut faire sur l'image. La gestion de la dynamique aussi, on a par moments des points beaucoup plus lumineux et puis des zones d'ombre en même temps. Ça, c'est un point assez important sur les caméras et sur les capteurs photo en général, c'est de voir leur capacité à capter simultanément des zones sombres et des zones claires. Autre changement aussi important à vérifier, c'est donc cette histoire de jonction. On avait un vrai souci sur la Gear 360 de première génération. C'était un problème de balance des blancs entre les deux capteurs qui ne se faisait pas forcément très bien. Là aussi, on a une autre scène assez intéressante avec une dynamique assez importante. Là, moi, je suis dans l'obscurité. Je vous laisserai comparer avec la vidéo qu'avait fait Vincent l'année dernière avec la Gear 360 de première génération. Et ici, on a des lumières assez éclairées. Moi, évidemment, avec mes yeux humains, je vois assez bien ce qui se passe dehors. La question, c'est est-ce que cette caméra est capable, elle, de voir en même temps l'intérieur et l'extérieur? Je vous laisse juger.
On va aller un petit peu plus loin et on va aller Porte Saint-Denis pour juger un petit peu de cet effet immersif concrètement. Ça permet aussi au passage de juger la qualité du micro. Là, je suis dans une rue assez bruyante avec de la circulation. Et à vous. Alors, je parle évidemment un petit peu fort, les gens me regardent bizarrement. Mais vous pouvez voir un peu ce que ça donne. Donc là, je tiens la caméra à 15-20 cm de mon visage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'avancer sous la Porte Saint-Denis. Alors en plus, aujourd'hui, on a un événement particulier. Il y a un échafaudage qui s'est effondré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser la caméra au sol et vous allez voir le résultat. Alors le souci avec ce genre de caméra, c'est que quand on les tient à niveau comme ça, pas de problème, on n'a pas l'air trop bizarre, mais dès qu'on va la baisser, eh bien je vais sans doute ressembler à un géant. Alors je la pose. Et voilà, je fais le tour. Donc là maintenant je suis à 1 mètre de la caméra, je ne sais pas si vous m'entendez toujours bien. Je vais faire le tour et l'intérêt de ce genre de caméra, c'est que ça va choisir par quelle direction on va faire. Si l'échafaudage se déroule ici, on va aller à la préférez le long de cette porte plutôt que ici. Si vous préférez la perspective vers la petite Amérique et les arts de métier, vous pouvez aussi regarder par ici. Alors pour conclure ce test, ce que je peux vous dire, c'est qu'en l'ayant utilisé quelques jours et moi-même en étant utilisateur de GoPro, j'aime beaucoup le côté très immersif de ce genre de caméra. Je trouve ça vraiment sympa en fait de pouvoir vraiment retranscrire à mes proches vraiment tout l'environnement que j'avais, parce que quand on est humain, même si notre champ de vision est assez réduit, on se souvient, on regarde un peu à droite à gauche et même ce qu'on ne voit pas, on l'a dans son esprit et on s'en souvient. Et cette caméra retranscrit ça assez bien. Donc c'est quelque chose qui est un bon complément à un smartphone qui lui va permettre de faire des photos évidemment beaucoup plus resserrées, des portraits plus sympas. Ça c'est un joli appareil à avoir en complément pour vraiment retranscrire l'immersion des endroits où on était. Pour conclure, l'intérêt de cette nouvelle génération aussi, c'est qu'elle est moins chère, donc comme je disais, que la précédente. La Gear 360 de première génération avait été lancée à 350€. Celle-ci en coûte 250 et est déjà disponible. Voilà, bientôt plus d'informations à venir dans un test plus complet sur Frandroid.